Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes tellement heureux de savoir que rendez-vous est pris du lundi au vendredi dans le cadre de ce magazine. Mardi, nous étions censés avoir notre rubrique avec le juriste Landry Kuo, qui sera absent malheureusement. Il va nous retrouver la semaine prochaine. Et nous allons plutôt avoir le plaisir de nous entretenir à nouveau avec monsieur Achille Eouman. Il nous entretient sur des sujets qui touchent la psychologie de la personne pour qu'elle soit en adéquation avec l'environnement dans lequel cette personne évolue. Ce sera pour tout à l'heure. Cela dit, nous allons devoir rendre l'antenne aux environs de midi un quart avec la rétrospective de Star Karaoke. Star Karaoke, émission qui a été conduite avec Magestria par Christelle Meledge. Donc, il y a un grand point à vous faire. Ce sera pour tout à l'heure à partir de midi un quart. Nos invités sont nombreux. Ils veulent s'adresser à vous. Cela dit, ils vont s'adresser à vous d'un moment à l'autre. Maintenant, de la variété, c'est toujours dans le concept, dans le principe de ce magazine. Et c'est Andy Nko qui est notre première transition. Merci à vous d'être là. Hommage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Diallo Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua. Tu m'as promis le voyage. Papa, eh, papa, oh, tu m'as promis la santé. Papa, eh, papa, oh, tu m'as promis la richesse. Tu as promis la paix au monde entier. Dans mon foyer, cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, oh, cette année-là, ça va se réaliser. Papa, eh, papa, oh, tu m'as promis la réussite. Seigneur, je veux rouler dans de belles voitures. Je veux dormir dans villa haut. Seigneur, je veux connaître Paris haut. Je veux faire escale à Londres, transiter en Amérique, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Je vais connaître l'Amérique, je vais parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Soutiens-moi. Je vais connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Soutiens-moi. Yeshua, Bukami, Jéhovah, Bladé. Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Maman Yolande, ou bien. Monsieur Ouman, bonjour et merci. Bonjour Marie-Ève. Cela dit, on va vous retrouver également le vendredi. D'accord. Très bien. Alors, on parle de la tolérance et de l'intolérance chez les hommes. C'est ça. Mais pourquoi spécifiquement chez les hommes? Parce qu'il y a aussi, là où vous avez vu, il y a deux vendredis, nous avons fait ce qui se rapportait aux enfants. Oui.
Après, nous avons fait pour les femmes. Bon, aujourd'hui, on canalise ça uniquement sur les hommes. Parce qu'on veut tout embrasser, comme on dit, qui est mal étreint. Mm-hmm. Voilà, donc aujourd'hui, on va se contenter de parler de l'intolérance, de la tolérance chez les hommes. Parce que la notion de tolérance et d'intolérance est différente entre l'homme et la femme? Non, on ne peut. Oui, entre l'homme et la femme, c'est différent. La femme tolère beaucoup plus de choses que nous, les hommes. Ah bon? Oui. Uh-huh. Nous sommes moins tolérants que les femmes. Ça, nous le reconnaissons. On savait que les femmes étaient plus bavardes, oui. Plus affairées, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire beaucoup plus au fait de ce qui se passe et puis les racontants, les ragots. Oui. C'est un peu la caricature qu'on donne à la femme. À la femme. Mais l'homme, imaginez qu'un homme fait un enfant dehors, comme on dit d'habitude, au mariage, il envoie, la femme l'accepte. Au début, elle n'accepte pas, mais on finit par parler et puis elle finit par accepter. Mm-hmm. Imaginez une femme qui fait un enfant dehors avec son homme. Mm-hmm. Quel homme qui accepterait? Mm-hmm. Ils ne seront pas beaucoup à accepter. Ouais. Voilà. Or, la tolérance, c'est la capacité à accepter ce que l'on n'accepte pas spontanément. Mm-hmm. Voilà. C'est un exercice, en fait. Un exercice, c'est-à-dire que tu dis, ça ne m'arrange pas, mais j'accepte. Mm-hmm. C'est-à-dire, ben, comme on dit d'habitude chez nous, ou partout au village, par exemple, bon, les vieux, il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, qu'ils vont dire. Ça ne va pas dans le même sens que vous aurez souhaité. Mm-hmm. Mais vous êtes, tu ne sais pas que vous soyez contraint, mais vous acceptez malgré tout, vous tolérez que le vieux n'est pas au même diapason, on ne vit pas dans la même sphère pratiquement. Ils vivent au village, nous vivons à Abidjan, on va tolérer qu'ils aient des choses à dire qui ne sont pas comme pour nous. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la tolérance ne ressemble pas à un calcul? Si on calcule, on calcule beaucoup. Il y a des calculs qu'on va faire. Mais il ne faut pas trop calculer parce qu'il faut tout de suite donner raison aussi à l'autre. À l'autre? Oui. D'accord. Il faut donner sa part de ce qu'on a à dire, mais écouter aussi l'autre. Et puis faire des compromis. Le compromis, c'est important. Voilà, de temps en temps, faire des compromis parce que sans compromis, on ne peut pas s'en sortir. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, l'homme est moins tolérant l'homme que la femme. Moins, et comment moins. Ça se manifeste? Ben, ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Mmh. Aujourd'hui, nous allons chercher par contre, où regardez, il y a un mal qui s'est fait. Et puis on va chercher à combattre ce mal-là. Mais attention, en combattant le mal qui est là, on peut créer un mal encore plus grand. Mmh. Donc vaut mieux ne pas le combattre et laisser tomber. Mmh. L'homme a toujours ce sens d'aller chercher, aller à la chasse, aller faire ce qu'il faut dehors pour ramener de l'argent à la maison. Mmh. Alors comme il s'est dit, c'est moi qui ramène l'argent, donc c'est moi qui dois dire tout ce qu'on doit faire. Mmh. Vous voyez? Mmh. À ce moment-là, il devient moins tolérant. Mmh. La femme s'est dit, moi, bon, dans tous les cas, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, j'ai intérêt à me soumettre pour que lui aussi, comme on dit, il nous regarde toujours. Mmh. Voilà. Et la femme fait beaucoup plus de concessions. Mais est-ce que cette notion est toujours valable aujourd'hui? Parce que la femme travaille autant que l'homme aujourd'hui. Oui, la femme travaille autant que l'homme. Toutes les femmes travaillent beaucoup, autant que tous les hommes. Mais n'empêche que la femme se dit toujours qu'après tout, elle, c'est la femme. Tout à fait. Voilà. Et que l'homme reste l'homme. Donc, même si on ne se soumet pas à 100%, il y a un petit dos de soumission qu'on fait quand même. D'accord. Et c'est cette dose de soumission-là rend la femme plus tolérante. D'accord. Et le terme exact, c'est de la soumission? Dans le cas exact de la soumission, c'est-à-dire que la soumission ne veut pas dire accepter tout de l'autre. Mm-hmm. C'est prendre conscience que ce qu'on fait tous les jours par rapport à l'autre, il faut chercher à trouver une certaine harmonie et à protéger cette harmonie-là, mm-hmm. à protéger cet équilibre familial. Mm-hmm. Or, toute la famille repose sur la femme. Mmh. Toi sur lequel la chose repose, si c'est toi, tu vas tout le temps te dire je ne veux pas, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Non, ça ne veut pas se reposer. Comme on dit, nous, tous les hommes sont assis sur les femmes. Mmh. C'est la femme qui est la mère, c'est la mère, c'est la maman, c'est elle qui est à la maison. Si ça ne va pas avec elle, au travail, ça n'ira pas. Mmh. Ça, on nous le dit tous les jours. Bien sûr. Donc, elle, son intérêt, c'est que ça aille. Donc, elle fait beaucoup de concessions et elle tolère beaucoup de choses. D'accord. Voilà très comment bien. Les choses se passent. D'accord. Donc, la tolérance et l'intolérance. Donc, c'est quasiment voisin comme terme. C'est voisin. On ne peut jamais parler de tolérance sans l'intolérance. Mm-hmm. Parce qu'on va arriver à un niveau où, jusqu'à quand vous pouvez accepter de tolérer. Mm-hmm.
Parce que des fois, la tolérance devient de laxisme. Mm-hmm. Il ne faut pas que ça en dépasse ce niveau-là. Mm-hmm. Que vous allez être très laxiste par rapport à tout ce qui se passe dans la maison, par exemple. Mm-hmm. Ou alors vous êtes laxiste par rapport à tout ce qui se passe au niveau du travail. Mm-hmm. Alors, quand vous en arrivez au laxisme, il faut faire attention. Ça devient plutôt de l'intolérance. De l'intolérance? Quelqu'un de laxiste, c'est quelqu'un qui laisse faire. Il laisse faire. Oui. Bah, quand il laisse faire, au moment où il laisse faire, est-ce qu'il tolère ou bien il est intolérant? Il s'en fout peut-être aussi. Voilà. Il laisse faire. Mm-hmm. Laisser faire n'est pas toujours bon. Tout à fait. Vous avez quelqu'un qui est chez vous, à la maison, et qui ne fait rien. Mm-hmm. Bah, il a passé tous les examens, il a tous les diplômes. Il ne peut même pas déposer des documents, des CV pour chercher du travail. Mm-hmm. Vous le cautionnez dessus, là-dedans. Vous laissez faire, c'est quoi? Mm-hmm. Ça, c'est du laxisme. Tout à fait. Mais c'est payé très cher. Vous ne pouvez pas continuer dans un laxisme comme ça et dire que vous lui rendez service. Non, mm-hmm. Vous ne rendez pas service à la personne. Mm-hmm. Chez les Européens, il n'y a pas de vertige. Quelle est la nuance entre le laxisme et la tolérance? Alors, quand je tolère, par exemple, je tolère que tu restes ici pendant un mois, deux mois, même six mois. On s'est dit, bon, dans six mois, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Oui. Et puis, je vois que tu ne fais aucun effort. Et six mois après, il n'y a rien pour toi. Mm-hmm. Mais je continue de te tolérer. Mm-hmm. Ça, c'est du laxisme. D'accord. Et après donc, six mois, tu ne dois plus le tolérer. C'est de tolérance. Voilà. Après six mois, tu ne dois plus le tolérer. Mm-hmm. Et puis, il faut bien le mettre en garde. Ça fait cinq mois que je t'ai dit, sixième mois, si tu n'as pas trouvé de travail, tu quittes chez moi. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Tu vois? Alors, si on laisse faire et qu'un an après, deux ans après, la même personne est là, vous ne lui rendez pas service. Mm-hmm. Voilà. Il faut faire en sorte que vous devez lui rendre service. De pouvoir rendre service à quelqu'un, c'est lui demander par exemple de quitter votre maison. Mm-hmm. Vous lui rendez service. Qu'il aille sur être le autonome. Moyen terme, parce que dans l'immédiat, la personne le prend comme déception. Voilà, mais à ce moment, on va lui dire, bon, quelles sont les mesures d'accompagnement? Mm-hmm. Tu vas dire, bon, ok, moi je te prends un studio pendant six mois, et tu restes dedans pendant... Après les six mois, je ne veux même pas que tu viennes me dire, je n'ai pas payer. Pu payer mon studio. Non, non, tu es resté six mois, ben un an chez moi, mm-hmm. Il t'est prévenu, tu n'as rien fait. Au moins, si tu fais des efforts... Et qu'on voit, malgré les efforts, ça ne marche pas. Moi-même, je vais t'aider à trouver du travail. Mm-hmm. Mais aucun effort. Tu dors, tu manges. Un an après, il dit, bon, ok, voilà, six mois de loyer, je paye ta caution, je paye tout ce qu'il faut. Mais à partir de ce jour-là, tu te prends en charge. Voilà, tu te prends en charge. Mm-hmm. C'est lui rendre service. Mm-hmm. Si vous ne faites pas ça, vous faites du laxisme. Mm-hmm. Voilà. Mais en même temps, vous avez été tolérant envers lui. Hein? D'accord. C'est, après, si vous lui dites de partir, ce n'est pas de l'intolérance. On s'est mis d'accord. Mais après ça, c'est du laxisme. Oui. Mais ici, malheureusement, parce qu'il n'arrive justement pas à trouver du travail, mm-hmm. Il s'est mis à trouver du travail un peu tard, peut-être. Hein, il n'arrive pas. Et au bout de six mois, il se trouve embarqué dans de l'argent facile. Oui. Parce que on lui aurait dit, c'est simple, tu prends de la marchandise, mm-hmm. Et puis tu vas, tu ne t'inquiètes pas de savoir ce que c'est. Mm-hmm. Et puis tu vas, on te donne un billet d'avion, tu vas déposer ça dans tel pays, puis tu reviens. Tu vas voir, tu auras 4 millions, mm-hmm. Par exemple. Quelqu'un mm-hmm. qui cherche du travail, qui n'est plus dans le cocon familial, ouais. Qui doit se prendre en charge, va se dire, ah, en attendant, c'est peut-être une bonne option, comme mm-hmm. je ne peux plus compter sur mon tuteur, sur mon père ou ma mère. Mm-hmm. Et à ce moment-là, cette personne-là tombe dans des travers, que l'on appelle, par exemple, là, c'est du recel, par exemple, de la drogue. Oui, du recel, des voilà, choses les drogues, machin, voilà. Tout ça. Est-ce que. Il tombe dans le laxisme. Est-ce que. Il n'y a pas une espèce de culpabilité de la part du parent? Non, c'est une petite digression qu'on fait, mais. C'est pas vous qui l'avez mis là-dedans. Mm-hmm. C'est lui-même, au lieu de se prendre en charge honnêtement, mm-hmm. à virer de l'autre côté. Mm-hmm. Mais là, vous n'y pouvez rien, c'est pas de votre faute. D'accord. Voilà. On ne va pas se culpabiliser pour ça. C'est lui-même qui s'est mis dans ce... Et s'il va en prison après, à qui la faute? On se dit, s'il était encore à la maison, si je n'avais pas été si dur, ouais. Peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. Oui, mais si on n'avait pas été si dur aussi, on aurait été trop laxiste envers lui. Il allait continuer à ne rien faire. Mm-hmm. Mais c'est lui-même, il s'est pris en charge de la mauvaise façon. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Écoutez, par exemple, je vous prends un exemple. Quelqu'un, on sort ensemble. Et puis, je vous ouvre, par exemple, une voiture, mm-hmm. je vous ouvre une maison mm-hmm. et tout. Et puis, voilà qu'il y a rupture. Comme il y a rupture, on voit beaucoup de gens qui vont récupérer ce qu'ils ont offert. Mm-hmm. Tu vois?
Ça, c'est de l'intolérance. D'accord. C'est de l'intolérance. Et puis, en plus, c'est de la bassesse. Ça n'a pas c'est vrai, fait. C'est bas, c'est méchant. C'est, ça n'a pas c'est fait. Parce qu'au moment où vous étiez ensemble, vous avez eu des moments de joie, des moments de plaisir que vous avez cherché peut-être à compenser comme ça. Si vous partez prendre la compensation, qu'est-ce qu'il reste? Comment vous payez le reste? Et vous voyez, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent dans le plan sentimental. Mais cette erreur va être payée cher dans le plan spirituel. Voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours chercher à harmoniser, à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie spirituelle et la vie sentimentale. D'accord. Parce qu'une erreur dans un peut être payée dans l'autre. Vous pouvez faire une erreur dans le plan sentimental comme celle-là, mais spirituellement, vous allez voir que vous n'avancez plus. Parce que quelque part là-haut, on a regardé pour voir, attends, on va lui amener, on peut même vous amener une femme rien que pour vous persécuter. Et puis de là-haut, on regarde comment vous réagissez à la persécution. Comment vous réagissez? Si vous réagissez mal, il n'a pas compris la leçon. Vous réagissez bien, elle est partie. Moi, j'ai vu quelqu'un qui il a divorcé avec sa femme et puis, en commun accord avec la nouvelle épouse, ils l'ont appelé un jour pour dire, bon, on t'offre une maison parce qu'on sait que tu en as besoin. Vous voyez? Ça, c'est fait à la celle avec qui il avait divorcé. D'accord. Ça, c'est fait preuve de hauteur d'esprit. Ça, c'est beaucoup de hauteur. Hein? C'est beaucoup de hauteur. Et puis, beaucoup de mais ça, c'est là qu'on doit arriver puisque, dans tous les cas, vous êtes parti avec elle. Même si vous n'avez pas eu d'enfant, machin, tout ça, mais quelque part, ça vous a procuré quelque chose en vous. Elle a contribué à améliorer votre état un jour. Donc, vous pouvez très bien, le jour où vous avez les moyens, que vous voyez qu'elle a besoin de quelque chose, vous pouvez faire ça pour elle. À l'inverse, l'inverse aussi est vrai. Si vous avez quitté un homme, tu végètes, machin, il y a quelque chose, vous pouvez l'aider là-dedans. Voilà. Ça, c'est fait preuve de beaucoup de tolérance. En temps normal, vous n'aurez pas accepté spontanément de faire ceci ou cela. Mais voilà que la personne avec que vous connaissez, par exemple, on fait des choses à des gens qu'on ne connaît pas. Mais d'autres avec qui on est resté pendant longtemps, qu'on a vécu ensemble et tout, on n'arrive pas à leur faire un petit cadeau quand les personnes sont dans la détresse. Généralement, les ruptures se font, on reste en de mauvais termes aussi. Oui. Donc c'est difficile de penser. Mais il faut savoir qu'une rupture, dans une rupture, vous avez fait rupture dans le plan sentimental. Point. Voilà. Mais il y a les deux autres vies, spirituelles et professionnelles. Moi, je peux rompre avec vous dans le plan sentimental, mais je dis, ah, j'ai un travail pour vous, pour demain. Et le lendemain, je dis, bon, je vais actionner mes connaissances. Pour qu'on vous trouve, on te trouve du travail. Parce que si tu es bien joué, je te vois bien, moi, ça me réjouit. Tout à fait. Voilà. Mais je ne veux pas te voir parce que je suis allé avec toi. Demain, tu vas dans la détresse, tu végètes quelque part, moi, ça me fait mal. Voilà. Donc, je vais actionner tout mon réseau pour pouvoir te trouver du travail. Je vais voir mes amis avec qui on prie pour dire, ah, moi, je ne peux pas, mais vous, allez voir telle personne, même pas de ma part, et amenez-la à venir prier convenablement et pour améliorer son existence. Pour toujours chercher à améliorer l'existence de ceux avec qui vous avez passé un moment. D'accord. Ça, c'est fait preuve de beaucoup de tolérance et de hauteur de vue. C'est comme ça qu'on voit les grands hommes. Voilà. Et c'est toujours, ça paye toujours, comme on dit. Ça paye toujours. Le bienfait n'est jamais perdu. Puisque c'est ce que vous envoyez qui vous revient multiplié. Tout à fait, c'est jamais perdu le bienfait. C'est jamais perdu. Parce que cette personne-là, peut-être qu'un jour, vous ne serez plus là. C'est elle qui va s'occuper de votre enfant, vous ne savez pas. Tout à fait. Hein. Voilà. Comme je dis toujours, Dieu n'a rien dit à personne. On peut conclure comment? Ben, on va conclure par, il faut chercher toujours à faire un dépassement de soi. Dépasser, en temps normal, voici qu'on aurait pu faire comme ça, mais quand je fais un dépassement de moi-même, je vais aller plus loin pour faire un cadeau, pour chercher à améliorer l'existence de ceux à qui je suis. Je voudrais, par exemple, qu'on crée ici, en Côte d'Ivoire, une maison de la culture de tolérance. Vous voyez? Cette maison de culture de tolérance va servir à quoi? À voir des gens qui vont venir là-dedans, émettre des idées, faire des débats d'idées, des débats d'opinion, sans jamais dépasser les bornes. Vous voyez? Et si on commence, par exemple, même à l'école, qu'on pratique cette tolérance envers nos enfants, on éviterait tous les conflits que nous avons aujourd'hui. D'accord. Beaucoup de conflits sont nés parce que nous n'avons pas accepté de tolérer. C'est vrai. La tolérance est un dépassement de soi. On a besoin de se dépasser pour tolérer à l'autre ses erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais il faut dépasser ça. Voilà. On vous joint comment? 57 11 69 11. Très bien.
Monsieur Oumont, je vous remercie. Merci. Et surtout, on vous retrouve vendredi. À vendredi. À vendredi. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, Agalawal, c'est la transition que nous avons choisie. Et nous allons recevoir nos DCM. Mais je vous le rappelle, nous allons céder l'antenne aux environs de 12h15 à l'équipe de production de Star Karaoke pour la rétrospective avec Christelle Melech. Cette année-là, c'est pas comme l'autre, cette année d'un Imokomédie Day. Hop, 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 hop là. Bamba Ibrahim, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chef de service de la mutualité du ministère de l'Éducation nationale. Et vous nous parlez d'un projet fort intéressant qui est un enseignant, un ordinateur. On vous écoute. Effectivement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a initié un projet d'acquisition d'ordinateurs pour tous les personnels du ministère. Et demain, c'est le lancement officiel donc, de ce projet-là, qui va se matérialiser par la remise des premiers ordinateurs par Madame le ministre Kandia Camara elle-même. D'accord. Alors ça répond à un manque? Oui. Il faut dire que nous sommes des formateurs et aujourd'hui l'ordinateur est un outil indispensable pour notre travail. Mmh. Alors en tant que formateur, Madame le ministre a initié l'informatique donc à l'école et ceux-là même qui sont donc les formateurs doivent avoir cet outil-là. Et nous avons le besoin de parfaire notre formation en renforçant nos capacités. D'accord. Et l'Internet, c'est l'outil essentiel où nous avons tous les moteurs de recherche pour mener à bien donc, ce travail-là. D'accord. Et on est curieux de savoir, c'est l'État qui offre ou c'est l'enseignant qui s'achète l'ordinateur? Voilà, c'est pour cela que nous intervenons. Nous sommes la DEMOS, la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire. C'est nous qui menons la politique sociale donc, du ministère. Nous avons créé ce projet donc sur l'initiative de Madame le ministre et nous avons fait en sorte que tout, avec le partenaire qui nous accompagne, que tous les enseignants puissent avoir cet ordinateur à un prix assez acceptable avec des facilités de paiement. D'accord. Très bien. Et c'est demain, donc, ce lancement officiel à la cité administrative à la Toura. On peut avoir quelques mots là-dessus?
Bon, le lancement va se faire donc demain à la cité administrative à la Tour A par Madame le ministre, comme je l'ai dit. Et la cérémonie va commencer à 13h, l'installation des invités. Madame le ministre sera là elle-même à 14h. Après les allocutions d'usage, Madame le ministre va remettre les premiers ordinateurs. Très bien. Vous avez un appel à lancer, les téléphones? Oui, l'appel que je vais lancer, c'est à l'endroit de tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Tous les efforts de Madame le ministre seront vains s'il n'y a pas une appropriation de ces projets-là par l'ensemble des personnels. Mmh. C'est pour cela, déjà, je demande à tous les enseignants de Côte d'Ivoire de faire le déplacement de la Tour A afin de réserver un accueil chaleureux à Madame le ministre et surtout lui exprimer notre profonde reconnaissance pour avoir rendu effectif ce projet-là. D'accord. Vous avez des téléphones à communiquer? Bon, notre téléphone, c'est le 20 21 50 71. Ou bien le portable de 07 84 0107. D'accord, je vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et comme l'événement est de taille, nous avons une carte d'invitation pour vous. Nous serons très heureux de vous accueillir là-bas. Merci beaucoup. Très bien, donc je rappelle que c'est demain. À quelle heure? À 14h. 14h, à la cité administrative à Tour A. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Philo. Oui, salut. Vous êtes animateur, bonjour. Oui, merci, effectivement. Ah, alors, Smash Nightlife, qu'est-ce que c'est? Smash Nightlife, c'est une nouvelle boîte de nuit du côté de Coumancy Prodomo, Terminus 11. Vous avez eu l'occasion de découvrir en intégralité une toute nouvelle boîte, bien sûr, totalement rénovée. Et oui, pour tous les grands amateurs et tous les grands professionnels et les grands consommateurs de nuit chaude à Abidjan, vous avez eu l'occasion d'avoir une toute nouvelle boîte de nuit totalement rénovée. Elle s'appelait auparavant le Phil One. Pour ceux qui sont bons connaisseurs du Phil One, elle a été totalement rénovée. Elle s'appelle dorénavant le Smash Night Life. Il faut bien retenir, le 26 septembre 2013, vous aurez l'ouverture de cette boîte avec un nouveau cadre, avec un personnel totalement rénové, avec tout ce qu'il y a pour une clientèle très sélecte. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de voir en long et en large, bien sûr, l'expérience, bien sûr, de ce cadre-là, bien sûr, avec un service totalement high-tech. Tout simplement, il faudra être bien sûr à Coumancy, Prodomo, Terminus 11, tout simplement pour apprécier bien sûr le Smash. Tout nouveau donc. C'est samedi. Oui, non, c'est pas ce samedi, c'est ce 26 septembre 2013. Ça tombe un jeudi, hein. C'est un jeudi. C'est après demain. Oui, après demain. D'accord. On aura l'occasion, bien sûr. C'est juste l'ouverture et permettre à toute la clientèle et ceux qui sont habitués, bien sûr, à ces grandes boîtes de nuit, assez sélectes. Ce ne sont pas des boîtes de nuit qui font trop de bruit, hein, mais des boîtes de nuit assez calme, tranquille, pour passer bien sûr une très bonne soirée. Et puis, je vous assure que le cadre, ça laisse à désirer. Donc, soyez de la partie, car ce sera la totale. Ce sera le 26, juste pour l'ouverture. Et vous aurez l'occasion d'apprécier par vous-même la qualité de cette grande boîte de nuit. C'est à partir de 20h, le 26. Le 20h. 20h, l'ouverture du Smash Night Life. Le Smash, c'est juste pour la hauteur, hein. Parce que quand on parle de smash, on parle de tout ce qui est en basket, c'est dunker, smatcher, et puis bon, voilà, être au sommet. Et vous savez que le smash, c'est pas du boucan, c'est juste quelque chose qu'il faut apprécier. C'est où la localisation? Coumancy, Terminus 11. Coumancy Prodomo, Terminus 11. D'accord, le téléphone, monsieur? Téléphone. Le téléphone, tout simplement, excusez-moi, je vais récupérer, bien sûr, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 05 23 72 51 ou le 44 62 74 77. Très bien, on peut reprendre? Le 05 23 72 51 et le 44 62 74 77. Très bien, merci beaucoup. Ok, merci. Serge Wally, bonjour. Bonjour Marguerite, comment ça va? Ça va très bien. Alors, bien sûr, animateur à Fréquence 2. Maintenant, c'est une émission honneur et hommage au coupé décalé. Oui, tu fais bien de le dire, Marguerite, parce que vous vous en souvenez, le samedi 7 septembre dernier, à l'ancien stade de Boaké, il y a eu, on va dire, la finale du clash musical qui a opposé le Zouglou au coupé décalé. Mmh. Alors, nous sommes là en tant qu'ambassadeur du coupé décalé. Nous sommes là en tant que diffuseur, promoteur de ce genre musical sur les antennes de Fréquence 2, lundi et mardi. Il était tout à fait normal que nous célébrions ce sacre de notre genre. Bien sûr. Et comme vous le savez, et Fréquence 2 a décidé d'honorer ce genre musical à travers deux émissions
qui vont rendre, bien sûr, toute la gloire et toute la noblesse au coupé décalé. L'une aura lieu donc demain. L'enregistrement est prévu donc demain, mercredi. Ce sera à Marcory, à la Belle Italia, chez Oli Coco. Et à cet effet, nous voulons donc lancer un appel à tous les acteurs du coupé décalé, tous les artistes coupeurs décaleurs qui sont dans la localité, dans la cité. Côté, bien sûr, je parle d'Abidjan Sud. Donc, de nous rejoindre déjà demain, mercredi, à partir de 14h, mise en place, démarrage 15h. Nous y enregistrerons cette première émission qui sera diffusée sur nos antennes. Mais précisons que, vous savez, une autre émission va se faire la semaine prochaine. Ce sera donc à Yopougon pour toujours donc célébrer le coupé décalé. Donc, l'occasion nous revient en tout cas de lancer un appel à tous les jeunes, à toutes ces personnes qui aiment, qui apprécient et qui diffusent le coupé décalé. Et à travers cela, honorer tous les acteurs, toutes les grosses têtes. Je parlais de Abou Didal, de Genève, Mollard et tout le reste. Et la génération qui suit avec, bien sûr, tous ces jeunes qui sont pétris de talent et qui font avancer le mouvement coupé décalé. Donc, c'est ce pourquoi nous sommes là, ce midi, sur le plateau de RTI1, pour passer l'information. N'oubliez pas, les gars, demain, l'enregistrement, à partir de 14h30, Marcory Belle Italia, Oli Coco. Et puis, la semaine prochaine, nous y enregistrons. Notre émission sera donc du côté de Yopougon. Et c'est ce pourquoi, justement, nous sommes venus. En tout cas, merci à tout le monde. Et n'oubliez pas, c'est demain. Voilà. Merci beaucoup, Serge-Louis. C'est plutôt nous qui vous disons merci. Coupé décalé toujours. Voilà. Colonel Boko. Bonjour, colonel. Bonjour, madame. Vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme et coordinateur général du Tour de Côte d'Ivoire. C'est exact. Et c'est le tour que vous organisez ? Absolument. Mm-hmm. Absolument. Alors, la Fédération ivoirienne de cyclisme, donc par ma voix, voudrait dire donc à toute la population ivoirienne que le Tour de Côte d'Ivoire, appelé Tour de la Réconciliation, la 20e édition, aura bel et bien lieu. La fête de la Petite Reine aura lieu. Et ce, du 27 septembre au 6 octobre. Alors, 9 délégations étrangères sont attendues. À partir d'aujourd'hui, les délégations arrivent. On a 8 pays africains et une équipe de la France. Donc, nous aurons en tout 72 coureurs qui vont prendre donc part à la compétition. Il y aura 9 jours de course, 9 étapes, 2 contre la montre, 1 jour de repos. Et ça, tout ça sur 935 km. Et c'est le circuit Oui, le circuit, donc le tour va traverser une quinzaine de villes. D'accord. Une quinzaine de villes à partir de Touba, Mans, Daloa, remonter ensuite par le nord, en descendant par Yamoussoukro, Boaké, une quinzaine de villes. Donc c'est en fait toute la population ivoirienne que la Fédération ivoirienne des cyclistes voudrait donc inviter pour que les délégations étrangères qui arrivent reçoivent un accueil chaleureux. Quels sont les pays invités ? Nous avons le Togo, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone, qui est déjà là depuis 2 jours. La France également sera là. Le Gabon. Et en tout, nous avons 8 pays africains. D'accord. Pays africains. D'accord. Voilà. Bien sûr, le parcours est sécurisé, bien évidemment. Oui, c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous, c'est un de nos challenges. Nous ferons de telle sorte que les délégations étrangères qui vont arriver repartent donc de la Côte d'Ivoire avec dans l'esprit que la Côte d'Ivoire est en sécurité. D'accord. Et c'est également et vous attendez du public que ce public sorte nombreux pour acclamer, encourager ? Absolument, absolument. On a également mis ce tour sous le signe de la réconciliation, parce que nous pensons que nous avons toujours besoin de cette réconciliation, et c'est également par